Bonsoir tout le monde, nous comptons pour tes journal dans la caille aujourd'hui hein, et pour qu'on y a nous pour le présenter au grand titre. Pour marquer 7 avril, la journée mondiale santé, ministère santé publique réalisé jeudi à une séance réflexion sous thème santé universelle, accès et couverture pour tous. Examen officiel, 9e année l'école normale, institut baccalauréat, a déroulé sorti 11, arrivé 29 juin selon annonce directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle Ménuel Jeune, fait vendredi 6 avril. Environ 30 l'école PAPCA inscrit élèves dans examen officiel 2018 yo et puis PAPCA fonctionné pour année académique 2018-2019 là parce qu'il y a pas de poté à les décisions fin année qui sortent passées. ONU Femmes, dans tête collée avec ministère Conditions Femmes, ak Doa Femmes, présenté vendredi 6 avril là, résultat études exploratoires sous sexisme en politique dans le pays. Et puis, ancien président sud-coréen Park Geun-hye, condamné vendredi 6 avril là, pour passer 24 années en prison pour implication dans un scandale corruption pendant l'été sous pouvoir. Restez avec nous, amis TNH, dit ça, rempli le sujet pour le développer dans le journal pour jeudi. Bonsoir tout le monde, on va rentrer tout de suite dans la page météorologique là et c'est météorologue nous Wilner Polidor qui va porter toute information pour nous. Salut tout le monde, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui, nous en début de week-end, bon week-end à chacun de vous et nous parlons de la situation météorologique là. Hier soir, il y a eu un pile la pluie surtout sur plusieurs quartiers sous capitale là et sous plusieurs départements. Et je dis encore qu'il y a une activité de la vie que nous prévoyons. En allant, qui fait ça sous pays. Nous toujours un coin qui trouve lié au nord d'Haïti, même si c'est très loin, c'est lié qui a influencé les conditions météorologiques là. Et la situation ça a provoqué une masse d'air qui humide sous pays. Et j'en ai regardé sous 4 ça, l'humidité a vraiment jusqu'à 18 à 20 degrés. C'est un temps qui est instable sous pays d'Haïti. En ce sens, je dis encore qu'il y a une activité de la vie sous plusieurs départements, même si tout pays a concerné, mais il y a quelques départements qui ont une activité de la pluie modérée à forte. Et département ça, c'est Artibonite, Centre, avec l'Ouest, Sud-Est, Sud et puis Grenens, Jodia, Assoya et au cours de nuit. Là. La pluie ça a persisté pour demain samedi et aussi jusqu'à dimanche. Par rapport avec toute activité la pluie qui tombe pendant ce maintenant, sol là commence à saturer, commence à gagner pile d'eau et c'est pour ça demander moun qui était dans zone que nous va rester là haut dans département centre dans Artibonite dans Grand-Est dans sud dans sud-est et dans département de l'ouest demander en pile précaution pour jodia pour weekend parce que la pluie a continué tomber sous pays d'Haïti et c'est pour ça UHM de concert avec secrétariat permanent qui a géré risque avec des as demander moun yo priorité vigilant parce que il y a quelques côtés qui sont susceptibles pour gagner inondation au cours de jeudi à pour demain et même jusqu'à dimanche. Précaution par capon, en nous veiller par rapport avec la pluie qui a tombé sous le pays. Pour capital là, c'est un capital qui est en bas instabilité avec nuages. Et nuages, ça va persister pour la pluie, non seulement en journée, mais aussi en soirée au cours de nuit. Là, et la pluie, ça va persister jusqu'à demain et aussi et dimanche. Et nous avons une température qui a monté jusqu'à 30 degrés jeudi à. Et puis, la descente, la nuit, là, c'est 20 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui peut agiter non seulement sous côte nord, côte sud et golfe de la Gonave, mais par rapport avec la pluie que nous prévoit, visibilité a réduit. Et c'est pour ça que les capitaines nous pour prendre précaution dans le fond de la mer, parce que au large, la mer a agité et visibilité a réduite. Et pour page astronomique, sur la couche à 7h04 jeudi et la levée demain matin à 6h39. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous n'a croisé lundi pour notre page météorologique. Bon week-end à chacun de vous. Santé universelle, accès et couverture pour tous. C'est sous thème ça. Ministère Santé publique à population marqué vendredi 6 avril là, journée mondiale santé à qui célébrée chaque 7 avril. Cérémonie en déroulé en présence quatre ministères, partenaires internationaux avec plusieurs acteurs qui travaillent dans le domaine santé dans le pays. Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph a présenté un reportage en suivant. Santé universelle, accès et couverture pour tous. C'est thème Organisation mondiale santé OMS Kembe Anissa pour célébrer journée mondiale santé. Thème ça mette couverture sanitaire universelle là, nan mitan préoccupation différents ministères santé dans monde là.
Dans le pays d'Haïti, le ministère de Santé publique et la population a parti couverture universelle dans le domaine de santé, visé permettre tout le monde qui a accès à services santé aux besoins sans exclusion. Dans l'occasion de la Journée mondiale santé, le ministre Marie-Greta Roy-Clément rappelé l'opportunité, l'occasion ça offrir pour différents acteurs dans le domaine de travail ensemble pour un plus bon résultat. L'universalité qui, en passant par l'équité et l'égalité, devrait nous conduire à la globalité. Je n'ai pas déjà dit que nous sommes loin d'une situation idéale. Il n'existe pas de monde idéal. Nous devons faire avec notre contexte, vous l'avez dit, il faut arrêter de gaspiller nos ressources. Ça doit commencer par nous. L'exemple doit venir du régulateur. Le MSPP veut profiter de l'opportunité pour prendre le ferme engagement d'encourager tous les acteurs intervenant dans le domaine de santé à intégrer la couverture universelle dans tous les plans et projets de santé qu'ils seront appelés à élaborer. Si nous voulons relever ce défi de couverture universelle, nous devons pouvoir compter sur l'appui, l'engagement et la collaboration de nos partenaires d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Représentant OPS ou MSLA fait connaître selon rapport mondial, plus passé moitié population mondiale n'a pas accès à service santé. L'explique santé universelle, c'est un investissement, un outil de développement et un travail collectif. La santé universelle n'est pas une affaire seulement pour la partie pauvre de la population. Il faut comprendre que l'objectif de santé universelle est une composante essentielle du contrat social, aussi avec l'éducation et la justice, pour que l'État se doive mettre en œuvre pour renforcer sa légitimité sociale et politique. Pourtant, la santé universelle, plus qu'une dépense, c'est un investissement, c'est un outil pour le développement du pays. La population doit être en bonne santé pour le produit. Dans l'occasion de commémoration Journée mondiale santé, responsable ministère santé publique à population, remet plaque reconnaissance à différents responsables institutions pour service qui a fourni population dans le domaine santé, et spécialement responsable l'école nationale infirmière au CAI, qui c'est l'école qui est plus performant pendant 10 dernières années dans la formation infirmière dans le pays, selon responsable. Et directeur départemental l'Ouest, ministère santé publique et population, docteur Martial Benèche, profiter rappeler population en campagne vaccination contre maladie diphtérie ministère a organisé dans département l'Ouest là a démarré dimanche 8 pour bout 13 avril 2018 docteur Martial Benèche mandé parents mené timounio prend vaccin pour protéger yo contre maladie dans sens ça il encourager parents yo by direction l'école yo autorisation pour permettre personnel santé au vacciner timounio les yo passé dans l'école yo yon extrait dans micro Rachel C'est fort avec Michel Joseph. La campagne vaccination contre diphtérie a commencé dimanche 8, c'est-à-dire demain dimanche. Donc, il faut que vous menez les gens à vacciner dans le poste de rassemblement, il faut que aller avec eux dans l'institution, il faut que alors, à partir de lundi, puisque la campagne a fini le 13, dans l'école, pour parents, autoriser la direction de l'école, les personnels santé au passé, pour faire vaccin, pour être capable de vacciner les gens. Puisque nous connaissons et épidémie ça a bail un pile problème et campagne ça fait déjà dans l'autre département yo c'est seulement dans le département l'ouest qui était en retard à cause des grèves qui étaient gain dans droite là mais dimanche ça a commencé n'a fini 13 maintenant gain un service ministère santé publique département côté dans kindergarten yo donc c'est-à-dire que n'a déplacé pour aller faire vaccin dans l'école yo a gain un poste tout dans académie police pour policiers ou amener petit yo al prend vaccin pour nous capable permettre que Haïti sorti dans une turbulence par rapport avec épidémie diphtérie. Ti moun qui concerné au CD 1 à 14 ans. 1 à 14 ans. Maintenant, si on moun té gagné un cas suspect bon la caillou, c'est-à-dire moun nan soit té konn jwa avò ti moun nan ou bien li té konn parlé avò ou bien té konn vin la caillou, sou pa prend vaccin déjà faut comprendre puisque vaccination c'est grand moyen qui gagné pour lutter contre épidémie ça, c'est-à-dire que pour nous protéger tête nous, faut que nous prenions vaccin ça.
et vaccin est disponible. Donc, il faut que nous menions les gens à vacciner. Et pour le département de l'Ouest, nous espérons vacciner plus que 35 000 personnes pour nous permettre que l'école et les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont dans la zone reculée, sont capables de bénéficier des vaccins et le ministère, dans la tête collée avec les partenaires, nous prenons toute disposition pour nous capables de faire campagne en bonne et due forme pour nous permettre que les gens qui représentent l'avenir pays sont capables de venir en bonne santé. Et puis, une fois qu'on a plus passé 30, l'école pas autorisé à inscrire élèves pour examen officiel 2018. Yo. L'école ça yo pas qu'à fonctionner pour année académique 2018-2019. L'an. Décision ça vini à cause responsable. L'école ça yo pas de poté à temps décision fin année qui s'est passé à et puis yo pas conforme à trois ministères de l'éducation nationale à formation professionnelle établie pour yo fonctionner. Directeur général MENFP, Mignol Jeune, expliqué yo pral publié dans l'école ça et puis mandé parents pour pas inscrire petit yo dans établissement scolaire ça yo en suivre. Yo t'ai convoqué yo puis yo t'ai vienne le lundi 2 et mardi 3 avril là pour t'ai vienne dans Bunex pour t'ai vienne dire qui raison qui fait non seulement yo pas répondre à exigence ministère éducation nationale mais les à côté yo t'ai gain comme adresse yo pas rien yo tout. Eh bien, Mounzao était au nombre de 41, j'en ai dit là, maintenant 41, nous jouons seulement 9 dans yo qui présentent. Pour le reste, yo, qui au nombre de 32, le ministère de l'Éducation nationale retire licence l'école. Donc, moi je crois que nous avons gagné, nous avons gagné. Eh bien, à part de 9 ça, yo, eh bien, nous jouons 32. Et ça y est, même le ministère de l'Éducation nationale a retiré la licence. Et très prochainement, nous allons publier la liste de l'école que le ministère a définitivement retirée. De toute façon, pour personne ne peut pas dire qu'il n'y a pas de connaissance pour aller inscrire les dans l'école ça y est, encore. Parce que nous-mêmes, nous disons l'école ça y est, licence pour nous-mêmes. Voilà. Et nous faisons obligation pour nous porter tout document. L'école ça est dans la main. Dans la direction concernée. Il faut faire avec rapidité et pour porter tout document qui te bat aux possibilités pour ouvrir la porte. Nous parlons de 9 que nous recevons. Dans 9 ça que nous recevons, ça qui était, même si on est en retard, mais qui est un monde qui a fait inscription, il n'y a pas de possibilité ça. C'est la direction départementale de l'Ouest qui a engagé pour ça. Ça veut dire, si vous avez inscrit, la direction départementale de l'Ouest, il peut aller lui-même, il a inscrit si vous avez inscrit. Mais personne dans la catégorie ça n'a pas le droit pour inscrire si vous avez l'examen officiel. Et puis, responsable ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle publié vendredi 6 avril, la date qui choisit pour déroulement examen officiel 9e année, l'école normale institutaire baccalauréat. Examen ça y a déroulé sorti 11 pour arriver 29 juin, d'après Mignol Jeune, directeur général ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle. Directeur a dit, il y a une réunion qui est déjà faite avec responsable divers syndicats qui souvent qu'on voulait boycotter examen yo pour favoriser bon déroulement épreuve sa yo. Mignol Jeune a précisé dans le micro Isaïe Rélus avec Henri Robert Chéri. On est presque prêt, puisque nous toujours dit que chaque examen, un mois avant, il faut toute fiche, toute bagaille disponible, et que le ministère lui-même l'a marché très très bien. Sous question ça, 9e année fondamentale, l'a commencé 11 ou 13 pour tout le pays, pour retenir des informations ça, l'a fait même l'heure avec ENI, et puis nous gagnons même l'heure aussi avec CEF. Donc trois ça va commencer ensemble, et puis bac unique, l'a commencé du 25 au 28. Bac permanent, et 25 au 28 juin. Ça c'est bac unique. Bac permanent, et l'a commencé, nous dit, entre deux semaines, ça, soit semaine 18 avant 25 et 28, ou bien semaine 25 après 28. Et dans la même période avec examen et bac unique. Là. Ça va dépendre de l'effectif nous jeunes. Si effectif là, il y a pile,
dans le niveau bas permanent, le ça n'a fait la fin. Mais si effectif là, les patas en pile, n'a fait la même période avec examen bac unique là. Gagnez une rencontre qui était faite hier entre le ministre et syndicat. Eh bien, rencontre ça, elle était très harmonieuse et pour raison ça, Mendou, les sorties avaient en conséquence très positive. Les Confédérations nationales enseignantes d'Haïti applaudissent l'initiative. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, la Pierre Josué Agenor Kadepran, pour combattre la corruption dans le ministère. Ça. Secrétaire général CNEH, Rose-Thérèse Magali-Georges, mandé ministre de l'Éducation nationale là, pencher sur ensemble revendications professeur à l'école publique. Yo, yon l'autre bord, responsable CNEH, dit, yo paré pour dialoguer avec le ministre de l'Éducation nationale là pour favoriser une autre qualité l'école non pays à yon extrait non micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. Sa ministre a dénoncé à gon pas de vérité, c'est ça que nous dit faut le total capital, faut le global. Vous va comprendre, c'est dans tout aspect pour garder parce que s'il pas total global, la paraît comme ou gon série de mon ciblé ou gon série de mon va couvrir. Donc nous connaissons la corruption sont quand gardien dans le système et nous dénonçons et nous disons et dans ces négociations de gain nous toujours demandé pour combattre et c'est ça qui fait nous disons dans notre nous demander pour yo mener bataille dans tout niveau parce que si on pas mener dans tout niveau et li la mauvaise perception donc non nous conscients et yon, et c'est corruption, c'est un plus gros problème qui gagne dans le système. Nous pouvons chiter avec le ministère. Parce que le dialogue est un dialogue permanent. Le dialogue a fait pour aller au-delà de qui est ce qui est ministre. Et c'est ça pour le comprendre. Vous comprenez? Pas oublier si, ou l'autre dans le métier journaliste, ou qu'on est partenariat entre syndicats et ministère de l'Éducation nationale, signé depuis le ministre Gabriel Bien-Aimé. Ça veut dire que chaque ministre qui finit sans qu'on pas sans respecter ou respecter. Les revendications syndicales sont pas seulement pour salaire. Les revendications syndicales avant tout et tout ça, c'est pour ça, c'est pour amélioration de la qualité de l'éducation. Donc, amélioration de la qualité de l'éducation, il y a plusieurs aspects là-dedans. Amélioration des conditions de vie à cause du travail professeur, c'est une volée. Améliorer le système infrastructure scolaire, c'est une autre. Cantine scolaire, qui s'est-il venu à manger dans la cantine dans son lot? Et puis, la fois qu'on est 5e promotion, commissaire Académie nationale police l'a gradué jeudi 5 avril. La cérémonie s'est déroulée en présence Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, au commandement police nationale d'Haïti, parlementaire, représentant secteur droit monde, partenaire international, famille avec les amis récipiendaires. On suivit un compte rendu avec Rachel Saint-Fort et Michel Joseph. C'est 72 commissaires femmes mélangées à garçons qui graduent aujourd'hui dans l'auditorium de l'école nationale police là. 72 cadres qui sortent dans la direction technique différents départements dans le pays qui étaient inspectés pour venir commissaire d'après explication responsable. Pendant environ 9 mois, commissaire Sao suivi une formation sous différents modules tant que éthique, gestion administrative, ressources humaines, matériel, leadership et droit. Directeur général police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, remercie tout intervenant, professeur, tout le monde qui a contribué dans la formation commissaire. DGPNH l'a mandé récipiendaire pour développer sens communication et service public dans l'exercice fonction. Cette formation qui donne droit au diplôme de gestion appliquée à la police et à la sécurité visait à mettre à disposition de la PNH des gestionnaires de la sécurité publique responsable et imbu des enjeux et défis associés à la sécurité, au développement économique national et aux droits humains. Aujourd'hui, nous voici au terme de notre objectif. Ils sont prêts. Prêts pour accompagner, Monsieur le Premier ministre, vos politiques publiques en matière de développement économique, de justice, de sécurité et des droits humains et autres. Chers récipiendaires, après 9 mois, long comme 9 éternités, direz-vous, l'heure est enfin arrivée de tirer sa révérence et de dire adieu à ce monde d'enseignement, apprentissage, de contraintes et de pression.
vous allez recevoir un parchemin bien mérité qui couronne un cycle d'études, mais il ne sera qu'une présomption de connaissance. Après la vie de l'école, l'important pour nous, c'est surtout le comportement que vous allez afficher à l'école de la vie. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Le savoir ne doit pas évoluer en solo. Il doit se faire accompagner du savoir devenir et du savoir être. On va vous suivre de près et même de très près. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, André Fonette, félicite les récipiendaires qui bouclent les cycles formation ça pendant lui expliquer volonté gouvernement Canada pour continuer à renforcer collaboration, partenariat avec le pays d'Haïti dans le domaine sécurité. Notre approche est de travailler ensemble dans un contexte de responsabilité mutuelle pour maximiser l'utilisation efficace des ressources et l'atteinte des résultats. De ce fait, le Canada est fier d'être impliqué dans ce moment historique, la graduation de 72 commissaires qui retourneront à leur commissariat avec une formation hautement professionnelle grâce aux efforts de plusieurs intervenants et formateurs rassemblés aujourd'hui. Dans l'occasion, le Premier ministre a demandé aux commissaires pour remplir leurs fonctions dans le respect de la loi, pour faire honneur à l'institution et puis afficher un comportement qui a inspiré confiance à la population. Ces valeurs doivent vous renvoyer à la discipline dans un souci constant d'efficacité et d'efficience, à l'intégrité avec un sens aigu de moralité devant guider vos actions et un désir insatiable de servir d'exemple, de modèle pour votre pays, votre institution, votre famille et votre communauté. À l'engagement avec le rejet du laxisme et de la passivité, éveillant chez l'individu le sens du devoir et de la participation à une mission collective, institutionnelle ou nationale à l'intérieur d'un groupe ou d'une structure. Au respect de l'accomplissement de son devoir, au sens de l'excellence, avec le désir permanent de bien faire et de chercher à s'améliorer en se comparant au meilleur dans son domaine, tout en voulant être le meilleur. Directeur général Michel Angédéon fait qu'on est institution policière a progressé, l'a renforcé dans tout niveau pour assurer relève là. Malgré difficultés, l'institution a fait face, responsables ont expliqué et a continué de travailler pour professionnaliser la police nationale là, pour établir un climat de sécurité et puis améliorer les services à offrir à la population. Voilà, c'est le moment pour nous observer. On pose commercial. Restez avec nous. On a tourné pour notre information. Nap, continuez avec information. Merci pour fidélité et attention. Jean nous t'ai annoncé l'UNIFAM Nantercoli avec ministère conditions femmes et droits femmes présenté vendredi 6 avril là résultat étude exploratoire sur sexisme en politique dans le pays. Étude ça a réalisé sorti octobre 2017 arrivé janvier 2018 chita sous constat faible représentation femmes dans parlement avec la violence qui a enregistré contre femmes candidats dans l'élection passée ou présentation rapport pour sa fête en présence de plusieurs représentants organisations femmes dans la société civile là représentant ONU Femmes en Haïti Nadine Gazmandi après présentation rapport à ONU Femmes a proposé pour adapter diverses stratégies pour créer un environnement favorable qui facilite plus femmes participer dans vie politique pays en nous suivre. C'est une recherche très importante parce que la loi haïtienne part qu'il doit y avoir au moins 30% de candidates femmes à toutes les élections et dans tous les postes. Et il faut qu'il y ait un environnement qui permette aux femmes d'être des candidates viables et d'être élus. Le constat, c'est que les mêmes causes qui font aux violences aux femmes en général sont dans la violence politique. Et c'est une idée de mettre les femmes dans leurs droits traditionnels,
c'est-à-dire chez elles, dans des rôles qui sont plus des rôles du XXIe siècle. Spécialement parce que l'Haïti, dans sa constitution, prend cette idée, qui est une idée qui est maintenant internationale, d'avoir au moins 30% de femmes dans la politique. Et ça, c'est parce que si on veut des démocraties qui soient représentatives, elles doivent représenter les populations. Et la moitié de la population d'Haïti, ce sont des femmes. Donc on aurait au moins besoin de 50% de femmes dans les postes, dans le Parlement, dans les ministères, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. On a des bonnes expériences à niveau international, en Amérique latine et en Afrique, qui démontrent qu'avoir de lois, de financement, de mécanismes pour appuyer les femmes et pour quand on dénonce la violence, faire quelque chose, c'est très important. Mais c'est aussi très important d'engager les hommes, que les hommes fassent partie de ce mouvement que ONU Femmes a lancé en 2014, He for She, E pour Elle, où les hommes appuient les femmes envers l'égalité, parce que l'égalité c'est bon, c'est merveilleux pour les femmes, mais c'est très bon aussi pour les hommes. Et bien, il faut qu'on ait plusieurs femmes et garçons qui sortent dans diverses institutions et organisations, participer dans un atelier réflexion jeudi 5 avril à l'Institut international pour démocratie et assistance électorale, IDEA International, réaliser activité ça dans l'idée pour réfléchir sur le bon moyen qui doit appliquer pour permettre qu'on ait 30% femmes respectées dans toute poste décisionnelle dans le pays. Marie Dudonne-Hortelou et Henri-Robert Chéri a présenté un reportage à nous suivre. Chômage, niveau engagement yo en dans foyer yo tant coup prend soin ti moun laver passer faire manger manque moyens financiers c'est quelques parmi diverses barrières qui expliquaient absence femme yo dans poste décisionnel yo en dans pays absence mesdames yo qui représentait 52% dans population haïtienne nan en dans des branches parlement c'est aussi qui montrait quota 30% pas respecté. Dans ce sens, la directrice exécutive IDEA International, Marie-Laurence Lassègue, souhaitait qu'il y ait plusieurs fois qu'il fait pour permettre la loi à entrer en application dans toute intégralité. Il y a des raisons financières, il y a toute tradition que mesdames yo jambé par rapport à l'éducation, par rapport au fait que souvent, jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui à charge de famille, bien que nous avons une loi sur paternité, maternité responsable, pas oublier, qui fait que tout le monde qui est là, c'est papa et maman qui ont occupé. Mais il y a toute tradition, tout handicap que mesdames et messieurs pour jamber. Mais qui est là, tant que ça fait en pile l'autre pays du Sud, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Amérique du Sud, qui voulait gagner les pays démocratiques, eh bien, il faut, puisque leur injustice faite pendant longtemps, eh bien, il faut corriger cette injustice. Et c'est pour ça que quota a fait. C'est pas un bagage que nous inventer, c'est pas un bagage que du jour au lendemain. Non, quota permet justement de corriger des injustices. Comment un pays côté Fomio, depuis la création de cette nation, telle l'armée indigène, Guillaume Charlot, Sanit Belair, Marie-Jeanne, Claire Heureuse, Cécile Fantifatima. Comment un pays qui a une ligue féminine d'action civique et sociale, comment un pays qui jeûnait, je dis, toute structure campée sous yo, que c'est l'école yo, que c'est banque, que c'est secteur formel ou informel, mesdames yo là, yo prend responsabilité yo, et côté loi à voter, contrôle l'État à fait, yo pas là. Donc, quota, son passage obligé. Réaliser un tirage au sort dans 10 départements géographiques PIA pour faciliter FAMIO participer dans l'élection dans quelques circonscriptions, c'est une proposition Renal Luberis, une intervenant au fait dans le déroulement activité ça. Jean, pour nous appliquer à titre 17 points en constitution, c'est une loi d'application de besoin et loi d'application ça supposé et mettre en fait en exergue des actions positives qui permettent que effectivement nous arrivions à atteindre quota 30% dans le Parlement de la Constitution et mondiale. Nous avons proposé que dans la prochaine élection, il y a 30% de circonscriptions qui sont réservées à des candidats. Même si je dis dans chaque cartel, il y a un poste sur trois personnes qui est réservé avec un candidat.
et bien, vous gagnez 30% en fait dans la prochaine élection, 30% de circonscription, 30% de département qui représentent, qui réservent à des candidats, pour dire que ce sont des femmes qui vont se battre entre elles, et à ce moment-là, on a la certitude d'avoir 30% au Parlement au moins. N'a pas rappelé, c'est dans l'année 2012, Constitution 1987, amendée, te reconnaître à travers l'article 17.1, yon quota 30% femmes dans toute poste décisionnelle dans la vie nationale pays. Et puis, association pêche et vende poisson en sapite dans tête collée à Caplizier, l'autre organisation, présentée mercredi à ta villa, yon ensemble revendication by autorité concernée, responsable sa demandé pour lumière faite sous Zak assassinat et deux Dominicains te fait sous plusieurs compatriotes haïtiens dans le mois passé. On suivi un compte rendu avec Mildred Milias et Moïse Woodbridge. Nous-mêmes, nous dit président, interdit marché pour nous. Nous marchons avec l'âme vous connaissez nous. Nous qu'à manger l'âme la caille nous pour ne pas sous territoire dominicain pour utiliser respect nous. Jodi hein, dominicain considéré haïtien comme objet, comme une chose, il pas même considéré comme un sujet de droit parce que depuis massacre Tourigo plus passé on 40 000 monde déjà victime et jodi hein, l'état dominicain font retour constitutionnel de 1929 pour dénationaliser haïtien. Donc, gon paquet de droit nous pas de cajou, aller voir que Haïti était déjà principale victime en République Dominicaine, surtout dans la question de la usine SIC. Ça veut dire qu'on était toujours exploité, mais des Haïtiens ont considéré comme un vache à l'air. Nous demandons à l'État haïtien pour que, au moins, il y ait des accords formels pour les migrants haïtiens qui traversent la République Dominicaine pour qu'on puisse vivre, pour qu'il y ait information sur le jour au jour, jour qu'on a Haïtien victime pour qu'on ait qui mode d'accord qui est capable de traiter le problème. Ça. GM Fine Shoes, c'est une compagnie haïtienne qui a fabriqué souliers dans le pays à Aswea. Une équipe TNH a mené nous visiter GM Fine Shoes en suivant un reportage. GM Fine Shoes, c'est une compagnie haïtienne qui spécialise dans les souliers et sandales. Ingénieur Jean-Lucien Ligondé, qui mettait la compagnie ça à camper depuis 3 ans, fait connaître l'été gain rêve ça depuis l'été tout petit. Le parent te kon menel al pran mezu piel pou fè souliye pou li chak rentre klas. Malgré sa, gen lontan depi lap karisil, li pat fasil pou li pou te pran desisyon pou fè gro investisman sa. Men par amour pou peyi lak determinasyon pou patisipe nan jefò kap fèt pou remembre produksyon nasyonal la ak kwasans ekonomik la, enjenyèr Ligondé di li travay pou realize rêv sa. La reyisit sont des forces collectives. C'est tout pays pour réussir. Que ce soit monde qui vivent en haut, la mi-temps ou bien en bas, c'est même haïtiens nous. Nous sommes seuls nous. C'est pour qu'on gagne de motivation. Haïti. Responsable d'IL Fanchouzla, ingénieur Jean-Lucien Ligondé, continue pour le préciser. Compagnie ça, pour arriver là, te bay priorité avec jeunes qui vivent dans le quartier défavorisé, tant que Cité Soleil à Cafoufeuille. Jeune Sayo, avant intégration yo nan compagnon, te suivre plusieurs séances formation sous technique pour fabriquer souliers nan DL Fan Shoes. Travail à l'époque en pile changement moi. Que tout au point de vue social, au point de vue économique, au point de vue spirituel, nous évoluer. Son succès qui est énorme et me sens fier tout parce que nan DL Fan Shoes parce qu'elle font paquet de bagages pour moi. Elle réalise un paquet de bagages pour moi. Je me sens dans place moi tout dans JL. L'hypothèse en plus, ce n'est pas seulement qu'un bé plume, mais au moins qu'un béton vis tout. Ça fait de moi-même une femme complète. PDG JL Fanchouz a annoncé qu'il travaille sur un projet pour mettre en campé une compagnie comme ça dans le département nord et sud. Matérialisation d'un projet comme ça a permis à compagnie de créer environ 200 emplois directs. J'ai fait une chose pour l'installer dans la province. L'État a acheté des souliers. Ici, un contrat 5 ans avec nous. Côté que nous avons géré en tant que bon père de famille, 50% profit souliers pour jeune l'État, 50% pour jeune J'ai fait une chose. Donc, nous réduisons le risque pour nous automatiquement, mais nous créons un emploi pour jeunes et puis nous permettre que jeunes aurité sous place, aurité dans la ville. Fabrication souliers yo subit plusieurs étapes avant d'arriver dans pied yo monde. D'après directeur général DN Fanchouzla, Myriam Ligondé pour arriver offrir un produit de qualité.
DG JL Fan Shoes là dit yo mette accent en pile sous produit à utiliser yo. Fait fin passer dans pour qui passer dans couture, yo coup dans peine là, là peine dans fin pour faut qu'il passe toute l'argent noté ouais pour le chauffer pour le prendre forme, après ça il applique colle sous lui, les deux coupes à couture, il passe dans assemblage je passe ciment, mettez colle pour soulier attaché avec semelle là. Après ça, on nettoie les souliers, assure que tout le bagage est parfait. Nous contrôlons la qualité dans chaque étape pour assurer nous que pas de gain fait là-dedans. Et puis ensuite, pour le sortir dans l'assemblage et nettoyer, c'est rentrer dans la boîte et puis finir. Gain négociation qu'a fait Kounia avec investisseurs américains pour intégrer produits JL Fan Shoes sous marché américain. Ingénieur Jean-Lucien Ligondé fait connaître, c'est dans la phase finale la yoye Kounia, côté dans 2 ou 3 mois. Chaussures sa yo ka commencé disponible dans pays étranger. Kounen nous pral aller dans 2 à 3 mois exporter vers les États-Unis. Donc nous pral le pari est gagné, nous allons vers l'exportation, vers un marché qui lui-même acheté actuellement 2 milliards de paires de chaussures par année. Action ingénieur Jean-Lucien Ligondéo montré à Monli ak attachement pour pays malgré difficulté au lieu li fait bac li concentré pour avancer dans l'autre domaine. Ingénieur Ligondé fait connait engagement vis-à-vis pays d'Haïti, c'est un signal li voye bay tout l'autre monde qui gen même amour ça pour pays yo pour di yo suivre trace ça pour aider Haïti sorti dans situation difficile la confronté depuis quelque temps. N'a pas observé une nouvelle pause commerciale. N'a pas tenu dans un petit moment. L'actualité internationale a toujours nos affaires empoisonnement espion russe là. Devant Conseil sécurité ONU, la Russie dénoncé une campagne ordonnée qui était préparée d'avance contre lui. Ambassadrice britannique là, Karen Pierce, déclaré conclusion Londres après affaires empoisonnées ça. Suivent toute procédure légale avec international. En suivre. La Russie, Londres, est accusée comme responsable empoisonnement ancien espion russe Sergei Skripal, dénoncé devant Conseil sécurité l'ONU, une campagne ordonnée qui était préparée à l'avance contre lui. Après organisation pour interdiction des armes chimiques, OIAC, a refusé de mettre la Russie dans l'enquête qui a mené ce dossier empoisonnement. L'ambassadeur russe dans l'ONU, Vassili Nebenzia, exige réponse à une série de questions. Ambassadrice britannique là Karen Pierce déclaré réponse li nan dossier ça suivre toute procédure légale ak international yo. Ça qui est important pour Kounia c'est quitter OIAC a tiré propre conclusion tout pendant quitter Conseil sécurité a informé. Membre occidental Conseil sécurité a réaffirmé soutien la Royaume-Uni d'après ambassadeur français à François Delattre pas gen l'autre explication qui pique pour la Chine li ijan pour faire lumière sur dossier ça et puis tirer conclusion sous base brève moun pa kanye. Empoisonnement 4 mars là dans le territoire britannique soulevé depuis 14 mars passé a en pile tension entre la Russie et dirigeants occidentaux concernant environ 300 diplomates. Côté la Russie, bon côté pal mette d'ailleurs la Kaili 60 diplomates américains à toute famille jeudi 5 mars là. Et ancien président sud-coréen Park Geun-hye condamné vendredi 6 avril là pour passer 24 années en prison. Park Geun-hye t'est mêlé dans un scandale corruption qui était la cause, il était retiré sous pouvoir et puis arrêté dans le mois de mars 2017. Un tribunal Séoul condamné pour 24 années prison ancien chef d'État sud-coréen Park Geun-hye vendredi 6 avril là. D'après un magistrat, ancien dirigeant a fait pression sur plusieurs entreprises sud-coréennes pour verser plus de 17 millions d'euros par deux fondations qui étaient sous contrôle d'une des amies, Choi Son-sil. Choi Son-sil, bon côté pal, a subi en peine 20 années prison. Park Geun-hye, c'est la première femme qui est élue comme président d'un pays Corée du Sud, qui était destituée et puis arrêtée dans le mois de mars 2017 pour une série d'accusations de corruption. Et ancien président catalan Carl Puigdemont joint liberté le vendredi 6 avril 2018 là. Carl Puigdemont passé yon dizaine de jours en prison dans nos pays Allemagne côté li paye 75 000 euros pour le cas joint liberté ça. La justice allemagne voulait jeter accusation qui était portée contre ancien dirigeant catalan pour rébellion dans mandat d'arrêt européen Carl Puigdemont là. Côté paquet fait connait, il a continué travail sur dossier ça.
Carles Pegmond toujours été en bas contrôle la justice allemagne, côté il pas gain droit quitter pays et puis pour le paraître yon fois par semaine dans commissariat. À cause de voyer jeter accusation rébellion contre Carles là, la justice allemagne punit politique juridique autorité espagnole là. Paquet a fait connaître a bien pour examiner l'autre accusation qui dans mandat d'arrêt européen qui accuse Carles Pegmond comme monde qui gain mettre en peine dans détournement fonds publics pour organisation référendum indépendance Catalogne. Et n'a tourné la caille pour une fois qu'on est commission technique, restriction, office, assurance, véhicule, contre-tiers ou AVCT organisé dans le ministère économie et finance, une réunion de travail avec plusieurs directeurs dans l'institution, dans l'idée pour évaluer exécution budget fonctionnement institution. Réunion ça a été occasion pour différents directeurs dans l'AVCT parler sur rapport financier toujours soumettre par le ministère économie et finance, dossier plusieurs employés à Krapomoun et Moun dans l'institution ça. On suit. Faut me dire année ça et ouais c'était fait partie d'une institution qui respectait on t'a dit autonome et organe autonome qui respectait principe décret 2050. Ça veut dire nous pas jamais passé 3 mois sans nous pas soumettre par administration centrale là ministère des finances et tout le monde rapport financier. Moi pense c'est un point et positif, c'est première fois et nous toujours font effort et pour nous toujours parmi premier institution comme pas dit c'est première institution qui soumet chaque 3 mois Jean la loi dit rapport financier nous remettre dernier hein. Depuis presque février nous commencer à travailler sur rapport et sur budget rectificatif là mais une recommandation a été faite dans le budget a été dit faut gagner un comité de trésorerie donc comité de trésorerie qui installé qui commence travail qui travaille régulièrement et qui soumet rapport c'est dans cadre ça qui permet que si nous avons un effort fait sur le plan financier, c'est qu'il y a une certaine rigueur. Chaque jour, nous ting-ting, et directeur Payan, et directrice, et administration financière, pour nous jouer un rapport quotidiennement qui permet que nous, le ça ne marche bien, mais ça ne fait pas marcher. Et si nous côté pour nous avancer, pour nous réunir, pour nous dépenser, mais qui gère. En droit, côté employeur travail, c'est côté, nous passer plus de temps. Nous toujours insister sur ça nous-mêmes, en de commission, sur un certain confort. Et à côté de fond confort, là, nous parlons de sécurité. Et c'est la journal en bout pour jeudi. Merci d'être suivi. N'après appelé au plus gros point avant nous aller. Pour marquer 7 avril, Journée mondiale santé, ministère santé publique réalisé jeudi à une séance réflexion sous thème santé universelle, accès et couverture pour tous. Examen officiel 9e année, l'école normale institutaire baccalauréat déroulé sorti 11 pour arriver 29 juin selon annonce directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle en Méniol Jeune Fait vendredi 6 avril. Environ 30 l'école PAPCA inscrit élèves dans l'examen officiel 2018 yo, et puis PAPCA fonctionné pour année académique 2018-2019 là parce qu'il n'y a pas de poté à les décisions fin année qui sort passée. ONU Femmes non tête collée avec le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes présenté vendredi 6 avril là. Résultat étude exploratoire sous sexisme en politique dans le pays. Et puis ancien président sud-coréen Park Geun-hye condamné vendredi 6 avril là pour passer 24 années en prison pour implication dans un scandale à la corruption pendant l'été sous pouvoir. Merci tout le monde qui tape ce journal là. Nous souhaitons passer un très bon week-end.